Il n'y a pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie vie et je réfléchis à comment gérer mon risque et j'essaie de prendre conscience d'une notion au fond de temps en temps dans ma gestion de risque. Est-ce que les opportunités sont pas susceptibles de m'aveugler un peu? C'est-à-dire que les opportunités sont tellement fortes que soit consciemment je ne vois pas le risque ou soit je le vois mais je ne le considère pas. Donc, je pense que ça repose sur un point, c'est la nature de l'être humain. Voilà, la nature de l'être humain vise à améliorer ses conditions de vie et à simplifier ses conditions de vie. Et parfois, notre nature humaine et notre partie cognitive, émotionnelle et sensitive, nos expériences vécues, nos inconscients, notre volonté, bref, peut influencer indirectement notre manière de gérer notre risque et notre manière d'approcher le risque. Voilà. Et subjectivement, émotionnellement, voilà, on peut être amené à donner plus d'importance aux opportunités qu'aux risques. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement nous en coûter? Alors, j'ai essayé de prendre quelques exemples. Alors, par exemple, dans ma partie 1, j'utilise un exemple où, en fait, une innovation notamment. J'ai utilisé une innovation pour viser les opportunités qu'elle apportait sans avoir bien anticipé la gestion du risque. Quel est cet exemple? Alors moi, je prends souvent cet exemple, c'est le PVC, voilà, polychlorure de vinyl et autres. Je vous invite à aller voir mon cast là-dessus. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est quelque chose d'assez incroyable. En fait, le PVC, on l'utilise depuis à peu près les années 30 et autres. Et en fait, ça a révolutionné nos manières de consommer. C'était très médiatisé, donc tout le monde a des contenants plastiques à la maison et on mange dedans, on les met au micro-ondes, etc., etc. En plus de ça, les répercussions de l'utilisation du PVC, ça s'est mais déployé au niveau industriel, notamment avec la révolution industrielle. Donc on en trouve partout, partout, et ça depuis plusieurs décennies, je dirais même depuis les années 1930-1940. Et aujourd'hui, voilà, on est bientôt en 2020, et le truc de fou, c'est que maintenant, on se rend compte de la nocivité d'utiliser du PVC et on essaie de penser autrement. Et pour autant, le PVC, on l'utilise partout. Alimentaire, cosmétique, chimie, pharmaceutique, etc., etc. Donc du coup, là quand même, je me pose une question, c'est s'il y a tellement de risques. Notamment, on a des risques sur la fertilité, on a des risques sur le fait que quand vous les mettez au four micro-ondes, ils se dissocient, ils migrent dans vos aliments, c'est des perturbateurs endocriniens, c'est des agents susceptibles de déclencher potentiellement des cancers, etc., etc. Il ne faut pas être complètement alarmiste, mais ce sont potentiellement des risques et ils ont l'air très variés et ils ont l'air à ce jour d'être relativement confirmés. Voilà. Donc moi je dirais qu'il y a une question qui se pose autour de tout ça, c'est comment on a pu utiliser des moyens dits innovants pendant autant de décennies avant de nous préoccuper des risques. Pourtant, si on avait été rationnel sur les opportunités, si on avait vraiment voulu comprendre les risques, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper ces risques? Est-ce que déjà il y a quelques années, on n'aurait pas pu se compliquer la vie en se disant « Bon, cette solution, elle est top, mais il convient de vraiment réfléchir encore en profondeur pour trouver une meilleure solution ?» Parce que d'une, le PVC, c'est mauvais pour notre santé. Deux, ça pollue notre environnement. En plus de ça, c'est coûteux à recycler. Donc moi, je dirais, est-ce que au fond, dans la vie, en fait, et dans la prise, la gestion des risques, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre un petit peu plus la patience, c'est-à-dire diminuer les enjeux liés au profit individuel immédiat et essayer de plutôt se remettre en question sur nos trop de besoins à consommer actuellement. Voilà, on subit une forte pression démographique, donc on a besoin de plus de choses, mais en plus de ça, on a une volonté de, en plus, personnellement, consommer beaucoup plus. Donc forcément, on a aussi une responsabilisation, je pense, au regard de l'utilisation de certains moyens innovants qui seraient dits offrant plus d'opportunités au regard des risques. Donc ça veut dire qu'on prend les opportunités, on délaisse les risques de côté et on s'en préoccupe qu'après. Et après, on dit « Oh là là, mais on ne nous avait pas dit. » Est-ce que nous non plus, on ne pourrait pas faire appel à un peu plus de bon sens, je dirais. Donc, moi je dirais que la balance autour de l'usage de ces solutions innovantes, voilà, qui apportent
des opportunités et pour lesquelles, en fait, on met de côté le risque ou on ne veut pas voir consciemment ou inconsciemment le risque, bah ça, c'est fonction, c'est inhérent, justement, voilà, aux besoins, au propre de l'être humain qui vise à améliorer ses conditions de vie, à se satisfaire lui-même, qui vise à s'aveugler un petit peu, consciemment ou inconsciemment. Pourquoi? Ben, pour répondre à ses besoins. Tout simplement. Donc bref, moi j'ai envie de dire, voilà, est-ce que il faut pas qu'on se responsabilise parce que est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre les opportunités et laisser les risques futurs en fait à nos enfants? Voilà, qu'est-ce qui va leur rester à eux? Et dans une deuxième partie, je vais aborder mon sujet en disant pourquoi est-ce que l'être humain serait aveuglé par les opportunités et délaisserait en fait l'étude des risques et la profondeur de l'étude des risques. Moi, je dirais que ça repose sur une fondamentale propre de l'être humain, voilà, sa nature cognitive, émotionnelle. Et nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Autant faut-il encore que nous soyons capables d'en prendre conscience. Et oui, il y a des fois où nous en prenons conscience, non, il y a des fois où nous n'en prenons pas conscience, et oui, il y a d'autres cas de figure où un peu nous en prenons conscience. Donc c'est tout ça qui fera qu'indirectement, nous sommes également et aussi en train de transformer notre approche de la gestion de nos risques. Voilà, on est en train d'agir à travers nos expériences et nos avancées futures, et ça, il semble que nous l'avons compris. Et il semble qu'aujourd'hui, en fait, nous soyons plutôt proactifs et dans l'anticipation de façon à essayer de penser l'opportunité des solutions innovantes, certes, mais en réfléchissant aussi aux risques, voilà, moyen terme, long terme, notamment pour nos enfants. Pourquoi? Parce que je vais conclure là-dessus, c'est parce que on a pris conscience justement que bah, cette planète est indispensable tout simplement pour assurer notre survie. Voilà, on peut viser l'intérêt et la satisfaction de nos intérêts personnels, c'est une très bonne chose, mais si on fait tout ça, que va-t-il rester à notre planète? Voilà. Et nous avons besoin de notre planète, en définitive, pour persister et pour survivre. Donc sans elle, rien n'est possible. Donc indirectement, nous sommes tributaires d'elle et en ce sens, nous devons la respecter. Donc nous devons également penser en termes d'opportunités pour l'être humain, mais comment je gère les risques pour l'être humain, mais également la planète et avant tout la planète. Donc allez, maintenant je vais conclure ce sujet et je vais clôturer en disant que j'aurais pu prendre également un autre exemple où le risque, en fait, là, il est majeur et je dirais même de niveau 4. Si on regarde mon exemple avec le PVC, je vais dire que c'est un risque de niveau 3. Pourquoi? Parce que il peut avoir des effets irréversibles sur la santé, certes, mais la gravité est niveau 4. Si maintenant je considère l'exemple des centrales nucléaires, là, on est en risque majeur niveau 4, irréversible et risque sans santé, sécurité sur l'être humain confirmée. Là, les fonctions vitales sont touchées, les fonctions de reproduction, là, globalement, énormément de fonctions peuvent être touchées. Et pour autant, voilà, là, c'est pareil. On a déployé en long, en large nos centrales nucléaires et on ne s'est jamais posé la question de savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer si ça nous pète au visage, voilà, combien de populations on va tuer, quel est l'impact, peut-être même l'extinction d'une espèce ou alors voilà la multiplication d'une espèce avec des anomalies génétiques, mais voilà qui remettent en question même la viabilité de l'individu. Enfin bref, les répercussions peuvent être juste énormes. Donc répercussions court terme, moyen terme, long terme. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, on oublie, que ce soit pour l'exemple du PVC ou le nucléaire, il y en a plein d'autres, la liste est très 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 longue. Pareil pour nos panneaux solaires, c'est génial pour l'environnement, c'est génial pour les crédits d'impôt, mais en fonction des matériaux et autres, comment on traite nos déchets, qui va traiter, quelle responsabilité. Et effectivement, on a vu les opportunités à court terme de faire beaucoup d'économies, mais à long terme, qu'est-ce qui va nous en coûter et qu'est-ce qu'on va encore laisser à nos futures générations? Donc voilà, c'est toute la difficulté autour de la gestion du risque et de la balance entre opportunité et risque. Voilà, moi je suis personne pour juger du doigt sur la prise d'opportunité au détriment de certains risques. Je pense qu'à chaque contexte, on a vu des opportunités et on évolue, la société évolue, la sensibilité des gens évolue également. Donc du coup, notre balance, gestion, risque-opportunité, on ne la voit plus de la même manière. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est sûr, et ça c'est du bon sens, je pense que la santé, la sécurité
et l'équilibre de la chaîne alimentaire, je dirais même la qualité, la préservation de notre faune flore, de façon globale, je dirais la préservation tout simplement de notre planète, elle est indispensable à notre survie. Et si au jour d'aujourd'hui on a une telle explosion de la démographie, à mon sens, il doit nous importer de penser protection de nos enfants et penser protection de nos générations futures. Dans quel monde allons-nous les mettre? Voilà, et ce serait horrible de voir nos enfants souffrir par les risques qu'on a cumulés autour de nos décisions de vie. Et voilà, qui se mettent en place par sommation et qui petit à petit pourraient nuire carrément à la survie des espèces et donc nuire aux enfants, des enfants, des enfants, de nos enfants, etc. Je ne sais pas. Ça va être fonction de comment on agit, comment on pense, comment on se responsabilise, comment on prend conscience de nos actions, comment on rationalise nos actions, comment on met en place plus d'objectivité que de subjectivité, comment on voit ensemble la gestion d'un risque qui se veut plutôt collectif, collaboratif, social, global, plutôt qu'individualisé. Voilà, parce qu'à terme, je pense qu'une gestion des risques seulement focalisée sur une gestion des risques individualisée, on court à la catastrophe, il faut globaliser le risque. Et c'est là où je pense qu'il faut que nous soyons responsables. Allez, je vous abandonne, qu'est-ce que je papote? Alors n'hésitez pas à, voilà, à nous dire, vous, comment vous voyez la gestion du risque? Et est-ce que vous pensez que, effectivement, les opportunités peuvent nous faire perdre de vue certaines notions de risque? Moi, j'ai... citer certaines notions de risque, mais vous, au regard de votre expérience ou de votre sensibilité ou de vos valeurs, vous pouvez nous faire part peut-être de la notion d'autres risques. Donc il y en a plein d'autres ou d'autres opportunités. Allez, je vous laisse voilà, échanger sur le sujet et nous faire part de votre retour d'expérience. Je vous dis à bientôt, yépa! Et je vous souhaite le meilleur, voilà. Préservons notre planète, protégeons-la, remercions-la pour tout ce qu'elle nous offre. Inspirons-nous justement de cette diversité, de cette complicité. Mais avant tout, voilà, profitons des opportunités qu'elle nous amène, mais ne lui amenons pas de risques, ne la détruisons pas, voilà. Préservons-la, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, yépa! Il est temps que j'arrête de papoter. Il est tard, comme d'habitude. Et je suis une vraie calamité. Allez, je vous dis à bientôt, yépa, et encore le meilleur à vous tous. Prenez soin de vous.